Salut, salut, donc je vous retrouve en tenue de combat pour un petit haul action encore. Donc pour ceux qui disaient qu'il n'y avait pas assez de haul sur ma chaîne, sous mon dernier haul, ben voilà, vous en aurez eu deux cette semaine. Alors c'est un petit haul, hein, voilà. On a été chez Ikea acheter mon bureau, je vous ferai le room tour... Je sais pas quand, la semaine prochaine, samedi, dimanche, non pas dimanche, samedi, lundi, mardi, je sais pas, mais ça viendra. Là, il faut que je range tout mon bordel, mais d'abord, pour pouvoir ranger mes achats actions, je vais vous montrer ça. Je vous affiche les prix et en même temps, ça me permet de faire une petite aparté pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas en live ce soir. C'est parce que justement, on a été chez Ikea, chez Action, on doit tout installer, enfin, on vient de tout installer et là, il est déjà 16h. Et maintenant, je dois tout ranger, donc j'aurai jamais fini pour le live, le temps de manger, après de faire le repas, de manger et tout. Plus que j'aimerais bien décider, chérie, à faire la cage des chinchillas, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté, comme ça, c'est une vidéo assez courte, et je peux vite l'uploader pour vous la poster, je pense, entre 18 et 20 heures. Voilà, je sais pas quand. Donc d'abord, on est passé chez... Donc on a été chez Ikea, hein, j'ai juste acheté mon bureau. Chérie s'est acheté deux bougies, elles sont au fond du sac, donc je vous les montrerai après. Mais on est passé chez Tom & Co pour aller acheter des graines pour les chichous. Et j'ai trouvé un... comment ça s'appelle? Un râtelier pour mettre dans la cage. Voilà, pour 2,50€. Parce que comme j'essayais d'en fabriquer à toutes les sauces, je ne trouvais pas. Là, il a une belle taille, juste que j'ai dit à chérie, il faudra le fixer quand même en dessous parce que... Je les connais, hein. Ils vont s'amuser à faire ça et tout le foin va tomber. Donc ça, on fera quand on aura agrandi la cage, puisqu'on va superposer. Pour ceux qui me suivent en vlog, vous avez compris. Ceux qui ne me suivent pas, ben, tant pis, vous ne comprenez pas. Alors, j'allais chez Action pour deux choses à la base. D'abord, ceci. Pour mettre dans les fonds de mes tiroirs des antidérapants comme ça. Donc, je les voulais tous en rose, mais il n'y avait que deux roses. Donc, j'ai pris deux roses de blanc. C'est des petites mousses comme ça, antidérapantes, que vous coupez à la bonne taille. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça dans mes fonds de mes tiroirs. Pour l'instant, j'ai gardé les Alex. Et pour le meuble Pax, je vais attendre. J'en ai discuté avec chérie, puisque de toute façon, il y a la rupture de stock partout. Et que ça peut aller jusqu'à fin de l'année. Donc, je vais attendre d'avoir fini les swaps, le concours de Noël et tout ça. Parce qu'il y a encore deux produits, enfin... Un produit que je veux mettre dans chaque lot, mais qui n'est pas donné. Donc, enfin, pas donné, c'est pas non plus la peau du cul, mais... Voilà, c'est des petits budgets comme ça que je préfère faire passer en priorité avant mon meuble. Et ensuite, quand j'aurai le budget, j'irai acheter le meuble. Et quand il y aura du stock, j'irai acheter le meuble. Mais après, je pourrais recycler de toute façon les trucs comme ça. Ou les racheter, hein, c'est pas bien cher. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris deux roses et deux blancs. Que je vais pouvoir m'amuser à faire la découpe juste après. Et j'y allais également pour... Ceci. Ouais, pourquoi ceci? Bah parce que ceci. Voilà. Donc j'ai pris deux grandes. Comme ça, c'est des feuilles d'érable. Puisque la Queen of the World de novembre, c'est le Canada. Donc il faut que je me fasse mes petits accessoires. Voilà. Donc j'ai pris ceci pour faire ça. Alors ils sont plus grands. Ils sont bien fournis par contre. Hein. Il y en a quand même pas mal dessus. Vous voyez, sur une branche. Donc, c'est pas mal, c'est assez grand si vous voulez faire une déco d'automne. Et j'ai pris également un comme ça plus petit pour mettre, pour pareil, hein, avoir des plus petites feuilles. Et j'ai pris ceci, donc là je vais voir suivant ce que j'aurai besoin, pour mettre à la place des fleurs roses, là dans le petit pot avec mes roses. Je vais voir ce que je vais utiliser. Elle reste, ça ira pour mon accessoire... de la Queen de novembre, je vais y arriver. Donc voilà, ça, vous verrez ce que j'en ferai en suivant les Queen of the World. Toujours pour mes make-up et tout ça, alors je voulais des plumes noires, puisque pour Halloween, le thème, ça sera Cruella, vu que Cruella vient de sortir, n'est-ce pas, sur Disney+, et qu'on a adoré ça avec les filles, comme ça reste dans le thème de Disney, c'est très dark, on s'est dit qu'on allait faire ça pour Halloween. Je voulais des plumes noires, j'en ai pas trouvé, mais du coup, j'ai quand même pris celle-ci. C'est des plumes colorées. Ça sera toujours utile pour un bricolage, pour les photos, pour les make-up. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est toujours utile, c'était pas bien cher, donc c'est pour ça.
Alors, il y a pas mal de bouffe parce que chérie est avec moi. Donc, il fait tout. Des chouba choups. Voilà. Bah, après, il y a des chouba choups et des Frutella. Ah, et les petites. Ah, c'est un mix de bonbons. Chouba choups et bonbons. Frutella mini. Les Loco Look. Voilà. C'est le Spooky Mix. C'est un spécial à l'année. Eh ben. Attendez, hein, parce qu'il en a pris des gâteaux. Hein. Il s'est repris un paquet de gâteaux de noix de coco, comme ça. Moi, je les adore aussi, ceux-là. Donc, je pense que je vais lui en piquer un juste après. Et il a fait la razzia de... ceux-ci sont fourrés aux pommes. Il en a pris deux paquets. Voilà. Et ceux fourrés aux amandes, que j'aime beaucoup aussi. Et là, il n'a pris qu'un paquet. Voilà, je suis ses gâteaux et ses bonbons. Je crois que tous les hommes chez Action, c'est le rayon qui préfère ça, le bricolage. Alors, toujours pour mes accessoires que j'aurai besoin pour novembre, j'ai pris des colsons, des câbles Thaïs nylon. Vous savez, des trucs comme ça, là, de bricolage. Voilà, chérie, normalement, on a des plus petits. Donc, il me faudrait les deux tailles. Voilà, vous verrez le résultat en novembre, hein, pour la Queen de novembre. Monsieur s'est également pris des crackers, des kajang, pelis, spicy, cacahuètes enrobées épicées. Donc ça doit bien arracher la face. Et là, mélange de crackers de riz, comme ça. Bon, après ça, c'est pas trop mon truc. Ah bah justement, il a fait la razzia dans... Il a encore pris des chouba choups. Je ne sais pas ce qu'il a fait chouba choups en ce moment. C'est, voilà. Et il s'est pris deux paquets de ces soucoupes là, qu'il prend à chaque fois. Mais il n'en a jamais rien. Et moi, en bouffe, je suis sur des Snickers. Voilà. En ce moment, je crève d'envie de chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chocolat tout le temps. On a pris ceci. Donc, c'est des graines de tournesol nature. égrenées, comment est-ce qu'on dit, elles sont déjà déballées quoi, de leur coquille. On a pris ça pour les chichous comme friandise, tout simplement parce qu'ils adorent ça. On cherchait des qui étaient fermés, mais il n'y avait que des salés. Donc si vous savez où je peux trouver des natures, bah, à part en animalerie quoi, parce qu'on n'y va pas tout le temps, mais voilà, ça c'est pour les soudoyer pour qu'ils rentrent tout seuls dans leur cage quand on les fait sortir le soir. Comme c'est leur friandise préférée, on s'est dit on va acheter ça et les soudoyer avec ça. Bon, après, ils aiment beaucoup les pétales de rose séchées et les pissenlits séchés. Mais les pétales de rose, je peux pas leur en donner trop, mais c'est leur friandise préférée. Et pour terminer, chez Action, je me suis acheté, j'ai acheté, parce que c'est pas forcément pour moi, je vais pas en avoir l'utilité moi-même, des étiquettes comme ça. Donc j'ai pris en rose gold et en argenté. Donc ça, je pense que pour le swap... Pour faire l'emballage que je veux faire, ça sera nickel. Je ne sais pas encore quelle teinte je mettrai, mais voilà. Ils étaient aussi en rouge et en doré. Et vous avez 20 pièces dedans. Donc, c'est des étiquettes cadeaux qui s'appellent ça. Voilà. De toute façon, au pire, ça servira à Noël. Hein. Et chérie, chez Ikea, c'est repris deux petites bougies comme ça. Donc, il les aime beaucoup. On en a encore une en bas. Il a pris cerise. Oh, oui, elles sont inscrites. Effectivement. Après, on n'est plus du tout dans la saison. Là, on a déjà envie d'allumer le pumpkin, la cannelle, voilà, voilà. Et fraise framboise. C'est ça, hein, ouais. Ouais. Ça sent bien aussi. Elles sentent super bon pour le prix. Elles sont à 1€ et les plus grands formats sont à 2€. Mais comme chérie calcule tout, vous avez pour les 1€ 25 heures de brûlage et 40 heures pour les 2€. Donc il vaut mieux prendre deux petites qu'une grande. Voilà. Petit message de monsieur spécial, je calcule tout. Et voilà, on a terminé. Donc moi je vais pouvoir ranger. Donc je vous avais dit, hein, c'est un petit haul. Quoique quand je vois ce qu'il y a. Après, c'est pas beaucoup pour moi. Hein. C'est principalement de la bouffe pour monsieur, si vous avez bien remarqué. Hein. Et voilà, maintenant j'ai rangé tout mon bordel. Je pense qu'on est pas mal là, le fond, le rangement. Donc vous verrez ça dans le room tour. Moi je vais m'amuser à tout ranger. Ça va être chouette. Et voilà. Donc je suis désolée pour le live.
hein, mais vous comprendrez que je ne peux pas être partout en même temps. Et on se le fera soit samedi prochain, soit comme prévu le samedi d'après, puisque normalement c'est tous les 15 jours. Mais du coup, Manon m'a mis au défi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai reçu mes mèches colorées de chez Amazon. Je vous les montrerai dans le vlog. J'avais commandé 24 pièces, donc 12 couleurs différentes, mais à chaque fois en x2. Et elle m'a mis au défi de toutes mes mèches colorées sur ma tête pendant le live. Sauf que, entre-temps, j'en ai commandé 24 x 2. Donc ça me fait 48 en plus celles d'AliExpress qui doivent arriver. Après, AliExpress, c'est pas tout pour moi. Il y en a dans les 48 que je vous mettrai de côté pour mettre dans le concours, puisque voilà, c'est un délire à moi. J'aime bien vous partager les trucs que moi j'aime beaucoup, vous le savez, dans les concours. Donc forcément, je vous en mettrai quelques-unes dans le concours. Mais du coup, Manon m'a mis au défi de mettre tout sur ma tête. Donc prochain live, j'aurai 48 plus 12, plus celles que j'avais déjà et celles que je risque de recevoir de chez AliExpress. J'aurai beaucoup de mèches colorées sur ma tête. Hein. On va me prendre pour un vrai petit canari. Non, un perroquet. Ouais, un petit perroquet. Bref, bon, allez, je vous laisse là. Je vais aller vite faire le montage, afficher tous les prix pour vous la publier pour ce soir, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, ben, je suis en pyjama, hein, tout simplement. Voilà, parce que comme maintenant, je vais devoir ranger, je ne vais pas faire ça habillé, maquillé. Hein. Donc, je vous demande de laisser un petit pouce en l'air si jamais... Non, je dis n'importe quoi, je suis fatiguée, les tafs. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain avec le Weekly Vlog. Et en attendant, moi je vous dis bisous.